Les temps ont changé. Je le vois dans l'eau. Je le sens dans l'air. Tout commença dans l'entre-terre, avec la destruction du cercle d'Elden. Les fragments du cercle d'Elden, renommés runes majeures, revinrent aux enfants de Marika l'Éternelle. Mais ces demi-dieux furent tous dupés, car ces fragments les empoisonnèrent de par leur pouvoir. Et sur les versants de la montagne du destin, ils se foutèrent sur la gueule. Cette guerre fut appelée l'éclatement. Ce fut à ce moment précis, alors que tout espoir avait disparu, que vous, sans éclat, êtes appelé à venir dans ce monde récupérer toutes les runes majeures pour devenir le seigneur de cette terre. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, on va parler du jeu Elden Ring, qui signifie vieille bague, bague ancienne, hein, du coup, petite intro, délire, Seigneur des Anneaux, hein, bague, anneaux, c'est dit. Pas facile, hein. Salut les petits noobs, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on va parler des bugs de Elden Ring. C'est le studio From Software qui est derrière ce chef-d'œuvre en collaboration avec George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones. Ben, vous allez voir que même entouré de grands noms, on n'esquive pas les bugs. Alors on commence soft avec des petits bugs graphiques. Pour le premier, je sais pas pourquoi, mais vous allez avoir des bandes qui vont apparaître, mais est-ce vraiment dérangeant? Après ça, on aura carrément l'écran noir de temps en temps. Bon alors là, ça devient un peu problématique, hein, mais c'est pas celui-là le pire. Alors dans un jeu où vous affrontez un tas d'ennemis qui sont là pour vous tuer, hein, comment vous faites quand vous les voyez pas? Il y a un truc sinon qui bug pas, c'est le bouton s'abonner, et pour la majorité d'entre vous, vous n'avez pas cliqué dessus, donc n'hésitez pas à le faire si la vidéo vous plaît, et vous pouvez même me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Alors une fois les problèmes graphiques réglés, il y a un autre souci qui va apparaître, l'immobilité. On est planté là, sans raison. Mais j'ai remarqué que c'est souvent votre monture qui provoquera ce bug. Alors je sais pas si elle se barre sans vous, ou si elle disparaît. Non, parce qu'il n'y a pas que votre monture qui va disparaître. Attention, disparition! Et pour finir, parlons des boss, hein, qui sont généralement durs à battre dans les jeux développés par From Software. Lui, apparemment non, hein, vu qu'il se laisse taper. Et lui va finalement se laisser coincer par son propre cheval pour que vous puissiez l'éclater. On m'avait vendu Elden Ring comme un jeu difficile, mais je vois pas pourquoi. Bon. Voilà mes petits noobs pour ces bugs sur Elden Ring. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez le mot « bug » en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, hein, vous connaissez la chanson, hein, le pouce bleu, le partage, l'abonnement, l'appel à un ami, bref, la totale. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, mes petits noobs, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et de votre famille. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye bye.